commencer un peu de tapis, tu vas me faire quoi? Quel exercice que je mette encore dans le yoga? Je reste pas à côté de lui. Mousse va s'échauffer aussi, Pimousse. Ah, il est parti au développé, lui, sans balèque. Hein. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Voilà, et ça c'est pour le petit abonné. Je te laisse mettre son commentaire, ça lui fera plaisir. Donc on se retrouve en série déconfinement pour le troisième épisode. Donc on est parti à l'Orange Bleu voir comment ça se passait. On est parti à Fitness Park et aujourd'hui on se retrouve à Basic Fit. On fait l'intro après notre séance. Ouais, on pouvait pas la faire avant, il y avait trop de monde autour. Voilà, et puis on a un peu galéré à rentrer dans la salle. Merci à Farida qui nous a autorisé à filmer. Pourquoi je fais ça, on lui a rien donné du tout. Franchement, elle nous a bien aidé. On a bien géré le truc, franchement. Bah voilà, donc aujourd'hui, séance pectoraux de Pimousse que je vais suivre avec difficulté. J'espère que c'est un monteur, il s'est baladé. Voilà, tu coupes au montage. C'est menteur. On reviendra pour le Road to Bazinga. On vous laisse avec la vidéo. Abonnez-vous. Et on part. Lâchez un like. Et on part sur le premier exercice, c'est directement du développé couché. Et yoga. Commence un peu de tapis, tu vas me faire quoi? Quel exercice que je mette encore? Un peu de yoga. Ouais, c'est ça. Tu vas faire du yoga tout seul, je vais aller m'échauffer au couché, je vais faire des grosses barres. Bon, moi je fais un peu de yoga et puis Moussi va faire un peu de barre. Choisissez votre corps. Échauffement bizarre là. Tu vas voir ce qu'il fait, c'est une. Je reste pas à côté de lui. Pourquoi? Comme ça, tu fais ce que tu veux. Moussi va s'échauffer aussi, Pimousse. Ah, il est parti au développé, lui, sans balèque. Hein. Il va se déchirer un truc, il s'en fout. Il a déjà fait une série, lui? Ouais, il a fait une série. Il vient de s'échauffer à 60, là. Allez. Je te jure que... Ah, il abuse, lui. Parce qu'il paraît, c'est pas entraîné pendant le confinement. Moi, je fais du volume, là, ça fait une semaine. Mais il va me chauffer, je vais vouloir faire ses perches. Attention, gros, quand tu vas décrocher la barre, le banc, il reste devant. Ah ouais. J'ai pas pris d'eau. Merci Pimousse. Tiens un peu de Covid. C'est quand qu'on met des charges? C'est en échauffement là. Sur la barre vite fait. Ça va être ça, c'est encore d'échauffement aussi. Ah là j'aime bien ton mouvement, je vois que tu as compris les bons bails. Mais non, je le chauffe. Reste tranquille, sinon je vais monter. Des très bons mouvements ça. On a trouvé l'animal pour Pimousse, hein. C'est le T-Rex. Il est rageux ça. C'est ma séance là. Non. Si on fait ma séance. Non, s'il te plaît. Comment ça? C'est cassant. Non mais là je fais pas beaucoup de rêves, j'en fais 5-6 pour réchauffer le système nerveux. Je déteste suivre les programmes des gens. Parce que là il est parti pour charger alors que moi j'ai changé mon programme, je suis parti en volume. Et là il va me faire de la force. Pas, là il est déjà à 100 kg, on a fait que 2 barres. Il croit vraiment je vais le suivre. Non, tu me suis sur ma séance, mais t'as 3, 10, 20, 60, 60, 140. Là, attends, je suis même pas sur défense. Lui, il est déjà en train de faire son road bazinga là. J'ai déjà explosé au coucher. Là, je vais faire une série de 25. Arrête de me filmer quand je fais du yoga et que j'ai des haltères de 4 kg, d'accord? Merci. On est sur l'échauffement, les gars. Comme dirait Foucra, la charge n'est qu'un moyen. Voilà. Ah, mais faut pas abuser non plus. Faut pas oublier que s'il y a ces mouvements-là dans la vidéo, c'est Pimousse qui fait le montage. Je filtre et j'entends que ce que je veux. On fait des injections avant de venir? J'avais plus de seringue. Merde. Éteins le micro. Non mais faut pas qu'on rigole là-dessus parce qu'après ils vont vraiment le croire. Mais non, oui. T'as mis 140 là. J'ai pas encore testé depuis. Ok, 140 Pimousse, première. Et beaucoup ne s'est entraîné pendant le déconfinement. Enfin le confinement. Ok, nickel. Trop bien. Nickel pour de la force, c'est parfait. 6, ouais. Vous comprenez maintenant pourquoi je reste sur l'esthétique et lui sur la perf. Hein. Les gars, ensemble, on va fusionner, on va l'avoir à Bazinga. Bon, ici, il n'y a pas de... Comment on appelle les scotch de sécurité là qui mettent par terre? Les scotch de sécurité. Bon, il n'y a pas de scotch de sécurité pour... Délimiter. Pour délimiter, pour avoir une distance de sécurité. Parce que les machines, elles sont assez espacées. Hein. Le Basic Fit à Lens, il est assez grand. Donc... Ici, franchement, ils sont assez tranquilles. On n'a pas l'impression qu'il y a du Covid dans l'air. Ouais, la première série, toujours top 7 en force. Et après ça me paraît un petit peu plus léger. Ça, c'est important pour la motivation. Encore une. Wesh. Non, wesh, arrête. On est là pour faire des vidéos. Les mecs, moi, je m'entraîne quand il n'y a pas la vidéo. Ah, moi, il n'y a pas de... Là, 100, ça, c'est bien. Maintenant que j'ai fait 140, ça me paraît bien plus léger que pour la desserte. T'as donné où? Oh ouais, j'en ai eu, il y a tout.
Facile. Trop facile. Ouais, s'il reste bloqué, je le laisse. Ça me paraît léger, mais j'ai pris 140. Ouais, mais lui, il fait des amplitudes réduites. J'en ai marre. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Regardez, Raphaël Cuesta aussi, il pousse très lourd et il a à peu près la même morphologie que Pimous. Qui Raph. Raph Cuesta. Ouais. Je trouve que même moi, j'ai déjà trouvé pareil. Sauf qu'il a des épaules un peu plus larges. Au développé couché, Raph, il est super fort et il a à peu près le même gabarit que Pimous. En fait, c'est parce qu'il est petit et très compacté. Et c'est pour ça que je pense que Raph est Nachi. Mais après, pour sa compète... Et c'est quoi la prochaine salle contest après? Je parle du Kenbu. Alors on va à la part, on fait une vraie séance. Ouais, je crois que c'est la part fitness et après ce sera kick pool. Ah, ça va être trop cool. Ça va être l'enfer. On fera une séance bras comme ça, je pourrais brasser. Ouais, voilà. Je fais une série de 10. Non, je vais faire plus que 10. Non, mais moi je fais une série de 10. Hein? Moi je fais une série de 10. Combien tu veux, gros? Ok. Je te laisse au niveau des charges, je t'ai libre de faire ce que tu veux. 3. Ah, attends, je suis à 3 là. C'est du ruin. Je crois qu'il est là pour faire ses bien. J'entends rien. Tu verras ça au montage, Fibus. Gars. Mes amplitudes normales, complètes. Il n'y a aucune différence. Quel plaisir d'avoir des bras tout petits. Vraiment, c'est un délice. J'aime trop. C'est là que je fais ça. C'est vraiment trop bien. Ouais, mais au soulevé de terre, il va galérer pour attraper Bazinga. Ah, vu qu'il y a des petits bras, il va devoir monter plus haut. C'est pas grave, j'ai des petites jambes. C'est pas Bazinga, il est pas très esthétique, pour ça tu peux pas le montrer. Et c'est pour ça que je vais l'avoir. Ouais, c'est ça. Même si je suis pas plus volumineux que lui ou plus sec. T'as une meilleure ligne. Je pense que mes insertions et ma ligne, la ligne elle... Ça va mieux rendre que lui. Bazinga, il est comme moi, c'est un tonneau, il est fait pour la force. Mais lui, attention, hein, il y a le physique et les pertes. Mais c'est bon, on va pas parler du achat de vidéo, on va en parler pendant le road to Bazinga. Là, on essaie de vous hype un peu pour la prochaine série. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour le déconfinement. Ah, ils ont quand même mis des petites croix. Hein. Ouais, vite fait. Bon, pour garder... En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a le corona. Ouais. Ressens pas plus que dans l'épisode précédent, je vous ai dit que, ouais, à Basifit, on ressentait vraiment le fait qu'il y avait le corona dans l'air. Mais c'était la salle qui se trouve à Arras. Vu que je m'entraîne là-bas, j'ai pas voulu filmer là-bas, on est venu à Lens. Et bah à Lens, vu que la salle est grande, en fait, ça va. On ressent pas qu'il y a le Covid. Donc vous pouvez vous entraîner, rien n'a changé. Et Basic, il se débarque vraiment avec tous les miroirs. Il y a qu'à Basic, il y a autant de miroirs. C'est vrai. Fitness Park, ils en mettent pas autant. Ils enlèvent de plus en plus dans les autres salles. Ouais, c'est ça. Fitness Park, eux, ils sont plus sur la perf. Ils veulent que des athlètes dans leur salle. Basic Fit, ils veulent que ça soit un lieu de rencontre, la salle. Non, lui il fait des autographes pendant que je bosse. Vas-y, allez, non. Non. Allez, monte. Fout de qui, wesh. Voilà. Il arrive quand c'est les dernières et après il me dit que fout de qui. Vous avez vu les nouveaux t-shirts Fitness Fusion là? Hein? Les nouveaux t-shirts Fitness Fusion. Mets-toi dedans, on a l'impression qu'on a fait une marque de vêtements. Pour te foutre la haine, j'en fais 20. 13, 14. 15. On dirait que c'est à l'infini 16, pour lui, c'est répétable. 17. Il s'emballe. Ah, j'ai plus de force. 18. J'ai la tête qui tourne, j'aurais pas dû vouloir pousser mes limites comme ça. Ouais, franchement, Bazinga, y a aucune chance. Hein? Bazinga, y a aucune chance. Je vais le fumer. Une vidéo contre Nathan Mozango, il prend les altas de 70. Non, le Mozango, c'est trop lui. D'ailleurs, on l'a mis dans notre équipe type de football troll. Allez voir ça sur notre Instagram. On a fait aussi la vidéo. Vous l'avez vu, elle est sortie mercredi, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, on a bien ri à la faire. Allez. Je vais me mettre sur la montée comme d'hab. Ah, ça va bien énerver ça. Énerve-toi bien. Pas de musique? Une musique avec? Bon, une musique vite. J'aime bien avoir un assistant. Là, j'ai un caméraman, un coach. La vie de youtubeur quoi. Après, je vais lui proposer une petite truc à boire. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in and... Lui faut qu'il arrête, on va lui enlever. Je crois que c'est à cause de ça qu'il fait des blagues. Merde, c'est lourd. Il s'en bat, tant qu'il a fait ses séries, il est content. Ah non, c'est mort, faut vraiment que... Non, c'est bon. Faut vraiment que j'en mon top level là. 82 kilos sec, je vise même 85 sec cette année, j'en ai rien à foutre. Combien? 85 sec. Ouais, mais tu mettras la liste des produits que t'as pris parce que bah, là, évidemment. Même ton cousin va commencer à se méfier là. Les dips, c'est où? Vas-y, bloque. Eh, moi si je fais un dips, il va m'arriver des bricoles. Hein. On dit un dips ou une dips, les gars? On dit les deux. On dit un couille. Là ici, c'est bien, c'est parce qu'on peut, faire du paddle ou un carré magique. Ou un carré magique dans cette salle. Ça, ils ont fait. Ouais. Si vous connaissez au football. Je devrais le faire, challenge dips. Je suis sûr que je pourrais faire. T'en as fait combien? Ouais, bah avec une amplitude comme ça, c'est sûr. Bah, c'est pas ma faute, j'ai des petits bras. Ah non, mais sur le challenge, tu vas te faire. Petits bras. Si sur le challenge, tu fais ça, tu te fais traiter. Si vous voulez que Pimous fasse le challenge et qu'il se fasse traiter par rapport à son amplitude, chauffez-le en commentaire. J'aimerais bien faire des dips à un endroit.
Quoi? Là, je monte. Ouais, gros, vas-y, je vais prendre une box pour monter. T'es dans l'abus, frère. Saute. T'aimes bien que pour reprendre au basket, imagine-le. Ouais, mais moi, gros, je fais 1m70, j'ai abandonné depuis longtemps, ça. Oui, sinon, ici, venez voir. Ils ont aussi séparé les machines. Mais ça, c'est pareil dans toutes les salles. En vrai, là, dans cette salle, la seule chose qui est chiante, c'est la réservation. Et on a seulement une heure d'entraînement. C'est-à-dire, au bout d'une heure, on doit être parti. Bon, là, on arrive à quelle heure? 14h? Non, 13h. Non, 13h, ouais. On arrive 13h. Donc, à 14h, normalement, on doit être parti. On va essayer de faire un test, voir si on peut bruger un peu. Là, il est moins 10. Il nous reste encore deux exercices. Combien de likes et je le fais le truc des dips? Tu demandes combien de likes? 300 likes. C'est énorme déjà pour notre chaîne. Moi je dis 500. Ouais, donc toi tu veux pas les faire. Bon, allez, on dit, on coupe la part en deux, 400. On les fera jamais? 400, on va les faire. Impossible. En moyenne, vraiment, quand on a une bonne vidéo, ça fait 200 likes. Ouais, mais attends. On a déjà fait 500 likes, mais c'est sur des vidéos à 15 000, 30 000. Donc là, tu es en train de me dire que tu crois en ta communauté? Je crois en ma commu. Ah ouais, non, je sais qu'on a une bonne commu. Mais le sans problème, demander de likes, j'ai déjà fait un dixième. Cette vidéo-là, elle va pas buzzer. Elle est faite pour la commu. Elle est pas faite pour ramasser du monde comme les challenges et compagnie. Après, on va raconter qu'on a failli se faire recaler. Donc, on va mettre. On a failli se faire virer de Basic Fit. Tu vas voir si les vieux ne vont pas. Ouais, mais on n'a pas filmé en intro. C'est pas grave. Regardez ces grosses fesses là. Il est content, il est content quand je dis ça. Le pump il est incroyable. Bon. Je savais que c'était une bonne idée de commencer la cure là. Non mais dis-leur. Mais oui, je rigole. Sincèrement, voilà, il rigole. Bien sûr, je rigole, ouais, il n'y a pas de cure. Non, parce que même moi quand il dit des trucs comme ça, je fais. Mais attends, il est sérieux ou pas? Non, je rigole. J'ai vraiment envie de pousser la congestion, ces grosses tototes là. Il n'y a pas besoin. Lui, il a fini la sans spec, on arrête maintenant. Là, on fait quoi? On va faire des cartes couchées. Et après, ça y est, basse. Non, après, il reste encore un exo. Oh là là. Je te laisse le choix, soit du pec deck, soit de la poulie comme ça. Tu sais, tu vas avoir du montage là. Filme la petite pancarte là. Ça, on pourra l'intégrer dans le. Souvenez-vous de fameux médecin. Regarde, regarde, vas-y, il va commencer. Je vais lui montrer l'épaule, le bibi. Après, il a des très gros bras, Vasimir. Il a des très gros bras et le pire, c'est que ça fait pas déséquilibré. Il nous reste encore un exercice pec deck. Pec deck. Pec deck. Donc, c'est le programme de Pimousse. On va couper, nous, parce que sinon, il va avoir trop de montage à faire. Je peux pas. De quoi? Il me rend ouf, je peux pas me laisser pisser, frère. Pourquoi? Regarde-le, il est chargé, après, viens parler. Avec. Il me dit qu'il est pas sec. Hein. Avec. C'est pas un menteur? Deux mois de travail et on fait les photos pour les coachings. C'est un de ces menteurs, ces gros bzaises là. Je vous jure, j'ai des pecs de merde. Eh, par contre, t'es congestionné comme jamais des pecs, gros, je te le dis, hein. Tes pecs sont énormes. Mais regarde, en Italie, je vais envoyer des calzones. Des calzones, je vais envoyer des. C'est des produits dopants, les calzones, vous allez voir. Si. Ah, c'est ça qui est bon. Allez, vas-y, vas-y. Donc, franchement, entre vous et moi, la vie de ma mère, c'est mon cousin, mais j'ai des doutes. Moi, je vous le dis. Hein? T'as dit quoi? M'en fous, moi, je suis honnête. S'il y a un fake Nati sur la chaîne, je le dénonce. Pimousse, ouais. Tu fais quoi? Hein? Soupçonne d'être en train de faire sa cure, là. Tu te piques après la séance, c'est bizarre, hein? Ça, c'est méditude. Bon, allez, on arrête, les gars. En fait, toi, même quand t'es massif, tu restes esthétique, t'es une ligne bien en V. Moi, je suis en filme-le H. Quand il parle de moi comme ça. Je disais, même quand il est massif, comme il a une ligne en V, il va rendre esthétique. On va pas t'entendre. Même gras, il reste esthétique vu qu'il est en V. Moi, il faut que je descende à 8-9% pour être esthétique, c'est trop dur. J'ai pas entendu, tu peux répéter? J'ai dit que t'envoyais du sustadeka matin, midi, soir. J'ai même t-shirt que toi d'ailleurs. Et on va chercher. Et on va chercher la Maserati voilà. Qu'on a acheté avec l'argent de Fitness Fusion. Ah, merci pour tous vos dons. Merci Rachid. Il nous donne 10 euros à chaque Maserati. On a pu acheter la petite Maserati, là, ça fait plaisir. Restez branchés, abonnez-vous, activez la cloche, soutenez, partagez. C'est grâce à vous qu'on va monter. Pimousse, qu'est-ce qu'on a pensé de Basic Fit? Parle assez fort, parce que les voitures. Honnêtement, la salle, elle est à Lens en tout cas, elle est vraiment cool. Elle est bien. À part le rack de développé couché, moi ça me fait chier parce que j'aime trop le développé couché, mais elle est tout cool. Ouais, et tu sais pourquoi il est abîmé comme ça? Moi je m'entraînais ici il y a 2-3 ans. Et allez, allez. Je sais qu'il y a. Allez. Quoi? Ah, il va dire que je mettais 250 kilos en série 42 là. Oh, tu m'as déjà entendu parler de ça? Oui. Non, c'est juste qu'il y a 4 Golgoths dans la salle qui font des barres, gros. J'ai jamais vu ça. Je crois ils mettent 180 sur. C'est possible qu'il y ait Nolex qui viennent. Et ils viennent et ils font 18 séries de développé couché. Ouais, bon. Et franchement, je pense que ça vient de là, gros. Parce qu'il y a 2 ans ils faisaient ça et je crois qu'ils sont encore inscrits. Il y a moyen. Combien tu donnerais sur 10?
Ah là, on est parti en mode on note les salles maintenant. Ouais, moi je veux que tu mettes une note. J'aime bien ce système de notation. Par rapport au déconfinement. Au déconfinement, comment ils s'en sortent? Bah, on l'a vu, là il y a un système de réservation que la Fitness Park n'y a pas. C'est vrai. Là, on est à peine sorti de la salle, on entendait qu'il y avait un client qui se... On parle de déconfinement, pas de qualité de la salle. Ouais, ouais, on parle juste du déconfinement, on parle pas de qualité. Quand on est sorti de la salle, il y a un client qui disait que c'était la merde pour réserver, du coup il venait plus à la salle. Ouais, tant mieux. Farida lui dit, ouais, bah pourquoi on ne voit plus? Le gars il lui a dit ouais bah c'est chiant avec le système de réservation. Bon, elle a essayé de lui montrer que c'était facile parce que ça reste simple. Mais quand même quand tu travailles et tout ça, c'est compliqué. À un certain âge, ils ne gèrent pas trop tout ce qui est téléphone, application et tout, donc c'est un peu compliqué pour eux aussi. Et petit hack sur l'application, si vous êtes inscrit à Basic Fit, des fois vous essayez de réserver sur le jour même et vous voyez que tous les créneaux sont indisponibles. Quand vous cliquez sur, par exemple aujourd'hui on est le 17 juin, ouais. Vous cliquez sur le 17 juin, vous voyez n'est plus disponible. Quand c'est comme ça, vous allez au 18 juin et vous verrez les créneaux seront disponibles. Vous revenez sur le 17 juin et là, les créneaux seront disponibles. Petit bug de l'application, j'ai découvert ça grâce à un pote. Ouais. Mais si tu le sais pas, tu te fais niquer en fait. C'est vrai. J'ai pas pu m'entraîner une fois parce que je savais pas. Voilà pour le déconfinement à Basic Fit. On se retrouve. Moi je lui mets un petit 8 sur 10. Ah ouais, il veut noter lui. Moi je lui mets un petit 8 sur 10 quand même. Un petit 8 sur 10. Ça manquait de marquage au sol, mais elle est bien. Eh ben moi je mets un 10 pour Farida, mais sinon. Pour le personnel, je mets 9 alors, un petit plus. Le principal, c'est qu'on puisse quand même s'entraîner pendant ce déconfinement. Les Parisiens, aujourd'hui, vous pouvez vous entraîner, il me semble. On est le 17 juin, ouais. C'est fini pour vous. Il serait temps de nous rattraper, les Parisiens. Nous, on a pris un peu d'avance. On se retrouve la semaine prochaine pour. On se retrouve à l'Appart Fitness. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimouf et Didio, force et fun. Au boulot.